Coucou! Une petite vidéo. Je vous ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo de la Kitchen Trotter que j'avais commandé, que j'avais arrêté la Kitchen Trotter et que j'avais commandé d'autres box qui avaient rien à voir du tout avec la cuisine, mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai reçu ce matin ma nouvelle box qui est comme dans un carton comme ceci. Et le nom de cette box, c'est La pochette surprise à l'usage des grandes filles by Mademoiselle Madeleine. Je vous montre, voilà. Donc Mademoiselle Madeleine, c'est une marque que j'ai connue sur Facebook. C'est une copine qui m'en a parlé et j'ai voulu tester ces box parce que j'avais vu sur internet, sur Google, en cherchant Mademoiselle Madeleine, j'avais vu une vidéo d'une de ces box. Et j'avais trouvé ça très très sympa. Donc l'envoi est très soigné, hein, je vous montre vite fait. C'est mis dans un carton avec plein de petits trucs. Le petit pochon est vraiment très très joli. C'est pas très grand, hein. Voilà. Il y a un petit nœud avec des petites étoiles dedans. C'est vraiment très très mignon. Voilà. Donc, on y va pour la découverte. Et après, non, je vous dis d'abord, cette box coûte 25,50 € frais de port compris. Donc voilà, donc je vais découvrir avec vous parce que c'est vraiment une grande grande découverte. On n'en entend pas beaucoup parler, donc je sors tout ce qu'il y a dedans. Hop. Hop et hop. Alors, donc ce mois-ci, c'est Liberty Time. Voilà. Donc ce mois-ci, je vous propose de fêter la fin de l'hiver. Les hirondelles sont revenues, les oiseaux se mettent à chanter. J'ai quelque chose qui me... Voilà. Les arbres se couvrent de bourgeons, l'air devient plus doux, c'est le moment de prendre la clé des champs. Je veux des fleurs de la couleur du bonheur, je customise mes clés avec les stickers, des invasions éphémères. Alors, les stickers. Donc voilà. Ce sont des stickers pour les clés qui sont vraiment très sympas. Par contre, il faut avoir des clés rondes. Et j'ai pas forcément de clés rondes. Donc à voir si je peux m'en servir. Sinon, c'est très très sympa. On peut mettre. Je trouve ça sympa. Ensuite, je sème le bonheur jusqu'à ma terrasse avec des graines de coquelicot. C'est très très sympa ça par contre. Alors on a une petite pochette comme ça, voilà. Et dedans, ça se présente comme ça. Donc on a un petit sachet. Et dessous, c'est marqué Le bonheur est une habitude à cultiver. Ah, cette année soleil. Voilà. Là. Et donc il y a donc un petit sachet qui, je pense, à la base doit être un sachet de thé. Avec, je sais pas si vous allez voir grand chose, les petites graines, si voilà, vous les voyez. Avec les petites graines de coquelicot, c'est tout mignon. Voilà, le petit. Voilà, donc c'est vraiment tout mignon. Pourquoi pas, c'est sympathique. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est fait. Je laisse le noir au placard et j'enfile mon top rouge Villa. Avec un badge by Madeleine. Alors. Ouais, donc là, à mon avis, ça va poser un petit souci. Donc c'est très joli par contre. C'est un top, je dirais corail, moi. Voilà. Qui est comme ça, tout simple, basique, avec un très joli badge. Liberty Time. Il est gros, mais il est très très joli. Alors, ce qu'il y a de dommage, c'est que j'adore, je le trouve très joli, mais en L, ça va poser problème parce que ça va être trop petit pour moi. Donc, je trouve vraiment dommage d'avoir pris le parti de mettre un t-shirt parce que tout le monde ne fait pas forcément une taille standard. Et là, pour le coup, bah, je ne fais pas une taille standard et ce t-shirt, je ne le porterai pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de vous le faire gagner, mais je suis un peu déçue quand même sur ce coup-là. Le badge est très joli, par contre, j'aime beaucoup. Ensuite, et pour toujours avoir un peu de bonheur avec moi, je noue mon joli bracelet en Liberty by Garance. Donc c'est ceci, un petit sac.
Et on a un très joli bracelet Liberty, très ensoleillé et tout. Derrière, ça se noue comme ça, tout simplement. Donc, on a une petite pastille by Garance et une petite pastille avec une petite étoile. Voilà, voilà. Il est vraiment très très joli. Je trouve ça très sympa pour l'été. C'est vraiment sympa. Donc ça, ça me va parfaitement. Voilà, qu'on se le dise les filles, le printemps est là, à nous le bonheur. Donc voilà ce qu'il y a dans la box. Il y a également Hey Girl, It's Springtime, du 16 avril au 10 mai 2013, moins 20% sur le site Madeleine et Ernestine. Madeleine. Mademoiselle Madeleine, je sais pas pourquoi je dis toujours Madeleine et Ernestine, c'est un peu débile, c'est Mademoiselle Madeleine. Donc c'est sympa, donc objectivement, dans cette box, on a des trucs pour les clés, on a des petites graines de coquelicot, on a un petit, il est tombé, je vais le ramasser, hop, le voilà. Donc on a des stickers pour les clés, on a les petites graines de coquelicot, on a le petit bracelet by Garance, et on a le t-shirt avec le badge Liberty Time. Niveau rapport qualité-prix, je dirais que pour moi ça les vaut, hein, il n'y a pas à dire, pour moi 25,50€ frais de port compris, je suis assez contente de ce que, enfin voilà, si, de ce qu'il y a dans la box, voilà, ce qu'il y a dans la box, pour moi 25,50€ ça me va très bien. Par contre le parti pris, enfin le fait d'avoir pris le parti pris, ouais on peut dire comme ça, de mettre un t-shirt, je trouve ça un peu dommage, parce que comme j'ai dit, tout le monde ne fait pas une taille standard. Et là, pour le coup, bah, le t-shirt, je ne pourrais pas le porter. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que j'aime beaucoup le reste. Et je trouve ça très sympa de pouvoir avoir une box avec des petites choses différentes. Ça passe des bijoux aux graines de fleurs, aux vêtements, aux stickers, aux badges. C'est vraiment très... ça sort de la box beauté, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment une box... très très original et je l'aime beaucoup et je pense que je commanderai la prochaine en espérant que cette fois-ci il n'y ait pas un vêtement. Je sais que dans certaines il y avait eu des gants au moment de l'hiver, il y avait eu des choses comme ça qui étaient très très sympas. Donc voilà, je vais croiser les doigts très fort pour que je pense prendre la prochaine, pour que dans la prochaine il n'y ait pas de vêtements cette fois-ci, parce que je trouve vraiment dommage, je suis un peu frustrée on va dire, de ne pas pouvoir le porter, parce qu'en plus il est vraiment très très joli. Et donc voilà, donc je vous fais, alors pour info, oui bien sûr, mademoiselle, le site, donc je vous redonne le site, c'est www.mademoiselle-madeleine.fr. Je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai également la page Facebook de Mademoiselle Madeleine. Et donc voilà, donc vraiment, je la trouve vraiment très très sympa, le petit paquet est vraiment très joli, très girly et tout. Pour moi c'est une très bonne box que je vais continuer, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette découverte vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, posez-moi les questions en barre d'infos, j'essaierai d'y répondre. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !